Salut à tous, c'est Mister Fanax pour un nouvel épisode de Dragonia 5985, le jeu de rôle, avec une conve qui marche. Alléluia! Donc dans le précédent épisode, nos héros se sont mis en route vers Arknor, le royaume des nains, pour découvrir l'origine de l'impulsion magique qui avait provoqué une catastrophe dans la ville de Lithier. Donc la frontière... Il y a aussi les bestiaux qui sont avec nous durant cet épisode. Mais il allait y venir, putain, oui, je vais y venir en temps et en heure. Donc vous avez tenté de passer par le chemin officiel, la frontière avec le royaume des nains, mais les gardes nains ne vous ont pas laissé passer. Ils n'ont pas voulu expliquer pourquoi, et vous n'avez pas réussi à négocier. Frost vous a donc révélé l'existence d'un passage peu emprunté appelé le col des brumes d'Eldessiar, où il y a fort longtemps s'était tenue une bataille où un roi elfe pour sauver son pays avait lancé un énorme sort qui avait pétrifié la vallée et l'avait gelé pour toujours. Et vous êtes enfoncé dans les brumes de du col, et à présent, eh bien, vous voyez des lueurs bleues par paires qui s'allument tout autour de vous. On a réveillé les bestiaux du coin. Mais d'accord, ça se frappe au corps à corps. Hein. Rassurez-moi, ça ne frappe pas que au corps à corps. Pendant ce temps-là, Kinaika, il est passé où? Au fait. Hein? Kinaika? Qui a supprimé Kinaika? C'est pas moi, je le jure. C'est pas moi. Très bien, bah on va remettre son regarder, regardez, regardez, il est en arrière, des fois. C'est pas en arrière. Très bien, on a tous les deux revenus. Il y en a deux, what? Très bien. Donc voilà, il y a une paire de Kinaika, ça fait des yeux aussi. Kinaika s'agite de plus en plus. Et les lueurs donc vous encerclent totalement. Spiritus, que fais-tu? Moi, je hurle juste un truc. Hommage! Ok. Qu'est-ce que je fais? Parce que là, je vois vraiment pas quoi faire d'autre, donc... YOLO. Ça passe pas. D'accord. Donc vous êtes, en fait, paralysé par la peur, c'est ça? Ouais, c'est pas ça. Trop quoi faire. Non, Spirit est paralysé par la peur. C'est ça, c'est quoi ces trucs là? Et donc, pendant ce temps-là... Pendant ça, vous voyez Frost qui lui semble ébahi parce qu'il est sûr d'avoir mis dans le mille, et pourtant, bien les lueurs bleues sont toujours là. Alors il commence à fouiller dans sa sacoche. Je suis sûr que j'ai du poison par là. Peut-être que ça pourrait les affecter, ces saletés. Et donc pendant ce temps-là, Volker lui se tient prêt et sonde la brume du regard en essayant de deviner ce que ça pourrait bien être. Moi je fais ce que j'ai dit, hein. Je me mets à courir en ligne droite. Très bien, tu cours droit devant toi? Ah oui, bah en ligne droite en essayant de... Si je m'approche d'eux en essayant de les éviter, quoi. Moi je peux pas faire ça, je suis trop lourd. Très bien, donc tu commences à courir comme un dératé à travers la brume. Hop. Oh, tu vas faire un lancer de courir. Effectivement, fais-moi, eh bien, tout simplement un jet d'adresse. Un jet d'adresse. Okino qui rate, c'est tellement grave. Ah, mais à partir du moment où il y a du physique, je peux pas. Faites des screenshots, les gens, c'est le seul moment. Donc voilà, donc tu t'élances en hurlant dans n'importe quelle direction, tu ne sais pas ce que c'est, tu n'as pas vraiment envie de le savoir pour le coup. Tu t'élances, mais tu dérapes sur une plaque de neige humide et tu t'étales par terre après quelques mètres. Voilà. Hashtag vidéo gag. J'espère que ça peut tourner en vidéo gag quand même. Et donc, les lueurs silencieuses, soudain, vous avez l'impression qu'elles commencent à se rapprocher de vous. C'est une meute de je ne sais quoi, mais une meute, bordel de merde. Et donc, lentement, Okino, toi tu es en train de te relever. Frost, lui, est en train de sortir un petit flacon dans lequel il a apparemment l'intention de tremper une flèche. Spiritus, lui, est toujours en train de faire ses hurlements slash gémissements qui n'ont strictement aucun sens. Et vous commencez à percevoir ce que sont ces lueurs. Elles s'approchent de plus en plus de vous, lentement, calmement, mais elles s'approchent. Et vous commencez alors à distinguer des silhouettes. Ce sont des silhouettes, et ces lueurs bleues dont vous n'arriviez pas à déterminer l'origine, vous avez de plus en plus l'impression que ce sont des yeux brillants qui brillent d'une violente lueur bleue.
Des silhouettes. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Attends, des silhouettes, oui, mais des silhouettes humanoïdes ou plutôt bestiales. Et ça se précise, ces silhouettes sombres, elles sont grandes, maigres, ça a l'air humanoïde. Ok, je vais tenter. Attention, Kino, prépare ça parce que je vais tenter la plus grande connerie qu'on pourrait faire dans le genre de situation. Qui êtes-vous ? Et donc, à ces grandes silhouettes sombres qui s'approchent lentement, tu dis qui êtes-vous ? Et comme seule réponse, elle s'arrête lentement et tu n'entends qu'une sorte de rire malsain qui surgit de nulle part et de partout à la fois. Tes poils se dressent sur ta peau, les mages vous ressentez encore des pulsions magiques de plus en plus dérangeantes, et les silhouettes se précisent, elles se remettent en marche, et vous commencez à distinguer donc ces silhouettes humaines, ces silhouettes décharnées, et à votre grande horreur, vous arrivez à percevoir qu'il s'agit de morts-vivants. Ah non, Kinney n'est plus aussi pété qu'avant. Que va-t-on faire? Il a été nerfé. Parce que hashtag saison 1, Kinney était pété. Donc voilà, ce sont des morts vivants vêtus d'armures comme vous n'en avez rarement vu. Ce sont des armures qui datent de très longtemps, de véritables antiquités. Il y en a trois qui sont les plus dangereux puisque c'est ceux qui peuvent nous attaquer à distance. Pour la plupart, ces armures donc sont en lambeaux. Je rappelle juste un truc, si on arrive à choper ces armures et qu'on les vend, on se fait une petite fortune. Vous êtes ouais, oui, bah pour l'instant, on va tout faire en circuit par des morts vivants. Ouais, bah bonjour, on va se faire du fric aujourd'hui. Et donc Frost, lui, qui est en train de tremper donc sa feuille dans un flacon qu'il range, il bande son arc, et puis soudain, il murmure. Bordel. Des drogues. Et donc... et vous... Ça ne vous dit pas grand chose. Éventuellement, Volker, Spiritus, vous qui êtes des gars du Nord, ça vous évoque quelque chose de sombre, histoire de mort vivant racontée au coin du feu. Toi... Skyrim. Non, c'est un élément de la mythologie nordique universelle. Oui, c'est vraiment nordique universel ça. Par contre, toi, Okino, toi qui viens de très loin dans le sud, tu n'as jamais entendu parler de ça. Et Frost, un peu paniqué visiblement, qui vous dit très vite oh, les légendes étaient vraies. Les légendes selon lesquelles des morts-vivants gardaient les endroits comme ceux-là hantés par la magie. Si c'est des morts-vivants, ça se défonce quand même, donc au pire. Donc Frost, effectivement, il a l'air assez effrayé. Et vous aussi, quand vous étiez petit, vous avez écouté toutes ces légendes sur les morts-vivants sans y croire vraiment. Toi, Kino, tu as un rapport bien sûr beaucoup plus pragmatique aux morts-vivants puisque tu as déjà rencontré quelques nécromanciens et même bu quelques verres avec eux. Donc, bon. Tu connais très pas un truc magique qui nous ferait sortir de cette merde ou tes fois. Je suis pas un nécromancien, je peux rien faire pour vous. je suis un peu l'opposé de nécromancien. Oh le mec il se met en. Il dit qu'il est un mage blanc. Bah non en fait, un invocateur, c'est pas un nécromancien. C'est deux choses qui s'opposent un peu. Même si le nécromancien au final. Pour pouvoir la même chose. Kino, toi tu es en train de faire des débats philosophiques sur la vraie nature des armes magiques, c'est cool. donc pendant ce temps-là, je suis sérieux, un invocateur et un nécromancien, c'est pas exactement la même chose. Un nécromancien, il invoque, il réveille un corps. Donc pendant ce temps-là, les morts-vivants s'approchent, vous sentez la magie qui émane d'eux, même toi Spiritus, tu commences à te sentir très mal à l'aise, tu commences à avoir un petit peu mal à la tête. Et ils brandissent vers vous des armes antiques. Vous n'avez pas besoin, Frost particulièrement n'a pas besoin d'un dessin pour deviner bien qu'il peut s'agir des soldats morts durant la bataille. Moi je le devine à ce qu'il nous a dit aussi. Le sort a été jeté et donc ils ont manifestement l'intention d'en découdre avec vous. Vous savez pas pourquoi. Faut tuer ces trois là d'abord. Parce que c'est eux qui peuvent nous attaquer à distance. Tu sais, n'importe lequel des autres peut nous lancer son arme à la gueule. Donc, il faudrait tous les tuer dans ces conditions.
Et bah tu veux tuer comme... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Oui, non mais justement, c'est ce que t'as dit. 15, ok, on va... Au final, n'importe lesquels pourraient nous lancer leurs armes à notre gueule. Donc, ça sert à rien d'essayer d'en tuer certains précisément. En tous les cas, on va s'en payer. On est bien dans la merde, effectivement. Moi, je dis juste, on se dirige dans quelle direction exactement, Fanax? Ouais, vous dirigiez... Enfin, bon, on peut pas trop pinguer parce que mon ping il est blanc mais tout droit. Non mais avec une flèche. Alors les flèches, par là. Alors là, mais purée, mes flèches sont blanches, oui aussi. Oui, c'est par là. La hoche. Oui, par là. La mienne, d'accord. Bon, la hoche, voilà. Bah, moi, à mon prochain tour, je sais ce que je fais. Très bien. Donc, Spiritus, que fais-tu? Vous êtes concerté, vous avez décidé de vous enfuir, c'est ça? C'est ça. Je fais le pédale, yolo. Très bien. Et juste, il y a ces trois-là qui vont nous poser problème, du coup, si on rush dans notre direction, on est parti. Oui, bah, hein. Donc, brusquement, vous non, mais je dis juste, c'est les trois seuls qui vont nous poser problème. Oui. Donc, vous vous élancez vers les ennemis avec l'intention de fuir. Spiritus, hop, donc tu arrives par là. Okino, tu le suis? Je le suis en m'écartant un peu parce que je prépare quelque chose, voilà. Tu prépares des trucs. Il prévient jamais ses amis, cet enfoiré. Non. Et donc Frost, en voyant ça, vous suit. Il a son arc bandé et donc il s'élance tout en tirant une flèche vers l'ennemi le plus proche. Il me semble que je ne sais pas. Il me semble que ça passe. Ouais. Je crois que ça passe. Ouais, ça passe très bien. Donc il envoie une flèche sur le mort-vivant. Qui se fiche dans sa poitrine. Le mort-vivant regarde la flèche d'un air désinvolte et continue sa route. Ok. Il y a deux Kinaika au passage, donc j'en supprime un. C'est débile. Ce Kinaika qui fait n'importe quoi. Et donc, hop, votre ami Volker vous suit en courant également avec son animal de compagnie qui, terrifié, agite les antennes dans toutes les directions. Techniquement, il pourrait nous faire quelque chose, Volker, vu qu'il maîtrise les sorts qu'il est censé pouvoir maîtriser. Bah, il peut guérir des gens et il peut aussi également tuer. Après, est-ce qu'il peut tuer des morts? Je ne sais pas. Il n'a jamais essayé. Je suis mort. Ouais, bon, là, du coup, c'est autour de qui? Spiritus. Donc, tu t'avances vers le mort-vivant qui lève son épée, son bouclier vers toi. T'es obligé de retrouver face à une épée, un bouclier. Tu le plaques. Non, tu le charges. Tu le plaques pas. Tu le charges. Oui, j'avoue. Alors par contre, je le charge, mais avec mon propre bouclier bien en avant. Très bien. Ton bouclier qui est invisible, mais tu as toujours ton bouclier. Oui, oui. Ok, charge-le, fais-moi un test. C'est pas ça. Oui, bien. Très bien, et lui, il ne part pas. Très bien, donc tu fonces sur lui le bouclier en avant, et il donne un coup de bouclier qui le projette au sol. Enfin, c'est ce que tu crois, parce que malgré la violence du coup, eh bien, il ne fait que titubé en arrière, ne perdant pas l'équilibre. Mais donc, tu continues sur ta lancée. Salut, bande de sapes. Okino, tu avais quelque chose de prévu, c'est ça? Ah bah je lance un sort sur les trois justement, du moins je vais éviter celui-là vu que Spirit est passé à côté, mais sur ces deux-là, sur celui-ci et celui-ci, je vais lancer un sort. Double clair, c'est le plus puissant possible en fait, évidemment. Tu fais lequel en premier? L'éclair, le plus puissant que je peux faire c'est l'éclair mineur de toute façon, donc... Tu balances sur lequel? Un éclair, sur lui, vu que c'est le plus proche. Très bien. Donc, tu lances un éclair dans sa direction. Lance-moi un D6. Très bien. GG. Et donc, tu lances un éclair qui, au contact du mort-vivant, eh bien, le fait briller l'adversaire d'une violente lueur. Okino, tu sens un dégagement de magique assez puissant. Le mort-vivant est rejeté en arrière et il tombe sur le côté. Ça, c'est de la charge, Spirit. Prends de la graine. Oui, bah... Il n'est pas plus vraiment capable s'il de maîtriser est la magie vivant, entre guillemets. Il a plus l'air de bouger énormément.
Très bien. Donc, parce qu'en plus, c'est un D6 plus 2. Hein. Donc pendant ce temps-là, Frost, lui, dégaine ses couteaux et puis bah, se lance derrière toi, Spiritus. Bah, je crie à Frost, dans ce cas, pense à poignarder celui-là. Et donc, eh bien, Frost, lui, en passant, effectivement, va asséner un coup de couteau, surprise. Et ça marche pas, mais dans sa course, évidemment, il ne fait pas forcément très attention, et donc, le mort-vivant n'a aucun mal à dévier le coup avec son bouclier. Et... Et mieux encore... Ah, ça y est, on retourne des tambours. Ouais. Donc mieux encore, il rend le coup avec son épée, il tente d'asséner un coup à Frost et il touche. Frost ne part pas. C'est très la détresse. Il va encore se faire éventrer. Et très bien, donc Frost rate son coup, et l'ennemi le prend par surprise et lui donne un coup d'épée dans le côté. Qui l'écorche, ne le blesse pas très sévèrement, mais voilà, ça fait mal. D'ailleurs, je perds combien pour mon sort de foudre? Il me semble que c'est 3 de base, c'est ça? Probablement. Et donc je perds 2 parce que... Ouais, voilà. Hop, très bien. Et donc, Volker, lui, pendant ce temps-là, eh bien, tente de passer malgré un des morts-vivants qui tente de lui faire barrage. Et donc... 4, donc non, j'en perds 3. Il le repousse d'un coup de bâton. Bon, c'est le plus beau coup de bâton du monde. Donc il tente de lui asséner un coup. Le mort-vivant frémit à peine et donne un coup de hache dans sa direction. Le coup de hache manque. Volker se baisse in extremis et la hache va se ficher dans le sol. Spiritus. Bah, je continue de rusher pour me tirer le plus rapidement possible, toujours en gardant la bonne direction de notre destination de l'origine, bien sûr. Oh, très bien. Et tu continues à courir, fais-moi un test de mental. Ça pue ça. Oh papa ! Pas mal. Très bien. Donc, tu es en train de courir et brusquement, tu sens l'air qui commence à crépiter, qui commence à se remplir d'une force magique puissante. Qu'est-ce que tu fais ? je crie en arrière les autres chants va pas tarder à avoir très bien. Magie. Non, tu gueules. Magie. Bien, tu continues à courir, tu commences à crier mage et ton cri est brutalement interrompu par une sorte de mur invisible contre lequel tu t'écrases et qui te renvoie légèrement en arrière sur tes compagnons. Oh merde. Et donc, vous entendez de partout des rires mauvais. Et c'est pas drôle d'abord. Pendant que, eh bien, les autres morts-vivants se rapprochent. Okano, il me semble que c'est à toi. Moi ? S'il y en a qui est capable de créer un mur d'air... La dernière fois que j'ai rencontré un mur d'air, c'était sur un corps qui voulait se protéger. je vais normalement. Est-ce que je détecte en fait la magie? La magie, oui, tu la détectes clairement. Est-ce que je peux essayer d'annuler le sort ou de le contrer? Je sais pas. Tu peux tenter, fais-moi un test. Intelligence, sans doute. 33, ça passe. Ça passe. Très bien, donc tu tends ton esprit vers ce mur et tu tentes de voir ce que ça pourrait être. Pourrait éventuellement le contrer et tu t'opposes à quelque chose de très puissant, de trop puissant pour toi. Mais Kinaika, tu peux pas foutre quelque chose? J'avoue. Kinaika qui est très perturbé et qui danse un petit peu dans tous les sens en tentant de voir ce qu'il pourrait faire et il va voir du côté du mur, mais avant même de le toucher, eh bien il l'est repoussé. Mais je ne peux rien faire. Ce mur. Chier! Trop puissant. Ah, la montagne, c'est génial. La montagne, c'est génial. Vous ne crevez pas juste une fois au chalet. C'est ça. Donc pendant ce temps-là, Frost est... tu l'as un petit peu renversé. Ce qu'il va très très bien prendre, à coup sûr. Donc, effectivement, oui. Frost commence à se dégager... et les autres à reculer, et puis Frost te lance. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais? Y'a un mur invisible devant, tu fais pas chier.
Un mur? Oui. Comment on fait pour partir alors? Okino fait quelque chose. J'essaye. Merde. Et Volker donc lui se relève et donc va tenter de donner un coup de bâton à celui qui est devant lui et qui a toujours sa hache plantée dans le sol, tel un jeune noob. Je peux pas aider Volker en je sais pas en... musique. Oh putain. Oh là. La Little Police s'il te plaît. Je ne sais pas je ne sais même plus ce qui... C'est vrai, c'est ça. On avait oublié. Non, c'est pas elle. Si, c'est elle. Il l'a dit. Il m'a dit qu'il voulait sans risque critique. Ah, d'accord. Alors moi, je ne contredis pas les joueurs, même s'ils sont bizarres. Très bien. Donc, Volker, effectivement, donc, donne un coup de bâton au mort-vivant qui était en train d'essayer de tirer sa hache qui s'était fermement plantée dans la neige, hein, ce qui témoigne de la prise le crâne de la force avec laquelle il avait frappé, et donc il donne un coup de bâton. Bien, j'avais besoin d'un verre. Et le pommeau du bâton, donc le bout du bâton pénètre par sa mâchoire et lui arrache la tête des épaules. Donc sa tête donc va rouler dans le sol un peu plus loin, et donc le mort-vivant reste stupidement accroché à sa hache avant de vaciller puis de tomber dans la neige. Ok. C'était très la réussite. C'est ça. Ah là là. Très bien, donc dans une furie meurtrière. Donc Frost lui se dégage et va tenter de balancer un couteau de lancer directement sur son ennemi juré. Il balance un couteau, mais le mort-vivant alerte, lève son bouclier et le couteau est dévié. Il va se planter dans la neige au loin. Pendant ce temps-là, vous sentez les autres qui se rapprochent derrière vous en poussant des cris, des hurlements. Et soudain, vous entendez le bruissement d'un carreau d'arbalète qui part. Oh fuck, c'est pour moi. Attends, mais je sens que c'est pour moi. Attends, je vais voir. Si pourrait que ce soit pour le même Volker en fait. Oui, mais tu sais, il est pas obligé de la tenir comme sur l'image. Sans bien écouter. Ok, essayez de s'y rassurer comme on peut. Donc, le carreau siffle, et puis vous entendez Volker qui tombe dans la neige en hurlant ah merde. Et vous voyez donc un carreau qui dépasse de son dos. Ah. Il a. La soirée de toi, bouffe. Il a pris cher sa mère. Ouh. Très bien, il est. Donc voilà, il a l'air plutôt blessé. Spiritus. Je demande à Volker si ça va. Si tu as un cri. Je crois que je pourrais continuer. Faut qu'on se barre d'ici. Non, sans rire. Et putain, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis un loup-garou, tu veux que je fasse quoi contre un loup-garou invisible? Ils avaient tenté de le bouffer jusqu'à ce que la magie se dissipe. Faut vérifier peut-être si le mur est dans toutes les directions, on pourrait partir de l'autre part. Ce serait un peu risqué vu les gens qu'il y a là. Je sais pas, on se défend jusqu'à la mort peut-être. Okino, tu veux pas tenter quelque chose? J'ai pas une idée, soit non plus. Non, non. Il y a qu'une solution. Volker, comme dans le cachot. C'est parti. Et donc il pose la main sur ton épaule. Et donc il attend tes instructions. Bah encore une fois, là je vais tenter de faire exactement comme dans le cachot. Cette relevée je fais le signe religieux, c'est vraiment le sort HL qui est un peu moins difficile. Allez, c'est parti. Et donc tu tentes donc d'envoyer une impulsion électrique partout autour, un truc comme ça? Oui, en gros, littéralement. C'est ce qu'il faut faire, hein. Très bien, donc j'utilise toute ma mana pour augmenter les dégâts, hein, s'il le faut. T'en as plus beaucoup de toute façon, toi. Et de toute façon, ta mana, oui, c'était à 8, quand même. Je suis à 8, je passe à 0. Donc tu puises dans toute ton énergie, tu puises dans l'énergie de Volker qu'il t'offre, et tu tentes de lancer un énorme sort, un déferlement électrique dans toutes les directions possibles, qui va frapper le maximum d'ennemis. Et effectivement, le sort explose avec une énorme violence qui ne fait aucune distinction entre alliés et ennemis. Ah bah,
Qu'est-ce que tu veux? Lance-moi un D6. Il n'y a plus rien qui existe autour de moi, je suis le seul de vous encore. Donc tu lances un éclair extrêmement violent, vous sentez tous une onde magique surpuissante qui vous met tous quasiment KO, vos oreilles sifflent et l'onde parcourt toute la zone et envoie voltiger les ennemis, hop, dont la plupart, eh bien... semble exploser dans un jet de magie. Voilà. Même le cadavre sans tête, il s'en va. Très bien. Donc Spiritus, tu perds également 6 points de vie, ainsi que Frostounet. Oh là 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 là. 10 points de vie pour un loup-garou, c'est la merde. Bon, il a de la chance, Volker. Il était à côté de moi. Et évidemment, Erklum aussi a pris cher. J'espère que tu vas pas le tuer, sinon il t'en voudra à mort. Et donc voilà, il est projeté effectivement contre l'arbre à l'étrier, c'est cool. Et Spiritus, putain, sérieux ? Et Spiritus, toi tu atterris majestueusement sur ton ennemi. Mince, je l'ai réduit. Ok, très bien. Et vous avez semé apparemment un assez grand désordre. Donc pendant quelques secondes à peine, le silence s'abat sur le lieu, et puis vous commencez à entendre de nouveau les râles des morts vivants qui commencent, pour certains, à se relever. Okino, toi, tu tombes à genoux, épuisé, et Volker, lui, épuisé également par sa blessure au dos, eh bien, il tombe au sol à côté de toi. Spiritus et Frost, donc vous deux, vous allez vous relever sans trop de difficultés. Lancez-moi chacun un des six. Hein? Vous êtes tombé sur les morts vivants. D'accord, donc j'en ai 6, très bien, 4, d'accord. Très bien, 5. Très bien, et donc vous avez également blessé vos adversaires. Et vous ne les sentez plus bouger sous vous, en fait. Je l'achève quand même par sécurité. J'achève le mien quand même par sécurité. Très bien, donc effectivement tu lui mets un coup, pas besoin de test pour ça, tu es sur lui. Et la lueur dans ses yeux, la lueur bleue. C'est éteinte. Ok. Très bien. Et donc Okino et Volker, vous êtes un petit peu hors circuit. Et donc certains des morts vivants, eh bien, commencent à se traîner vers vous. Mais cette fois, ça n'a plus rien de la marche majestueuse et inquiétante de tout à l'heure. Ils sont véritablement en train de se traîner. Hop. Aïe 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 aïe. Ce que fais-tu? Moi. Je tente de me relever pour courir dans la direction tout droit. Tu te souviens qu'il y a un mur. Non, ce mur, il a dû être dissipé là. Je suis désolé. Ouais, sans doute. Espérons. Donc, tu te mets à courir vers le mur. Enfin, à courir, c'est presque plutôt à tituber en fait. Vu l'effort que tu as fait. Et donc, Volker, lui, qui est toujours affalé dans la neige, te murmure bonne chance. Et donc, je peux pas essayer de le tirer vers moi en même temps. Oui, oui. Bah, t'as à peine la force de courir, alors courir avec un nain. C'est pas que t'es mal barré, mais. On joue en musique trop fort. Très bien. Donc tu t'élances vers le mur, je ne te ferai pas faire de test, puisque évidemment tu es conscient de son existence, mais avant d'arriver à son niveau, tu sens encore une légère résistance. Je vais être obligé de forcer le truc et ça va coûter mes points de vie. Ok, donc tu veux tenter de forcer le sortilège, c'est ça? Ouais. Très bien, fais-moi un bilan. Donc un dessin. 83, sachez que j'ai plus rien. Voilà, c'est la mort. Tu te tiens près du mur, tu tends ta paume en avant, tu tentes de rompre le sort. Tu envoies ton énergie, mais tu n'arrives à rien. Tes forces vitales t'abandonnent et tu tombes dans la neige, tu t'effondres et tu commences à perdre conscience. Question, est-ce que je vois les deux qui sont effondrés dans la neige? Est-ce que je les ai vus s'effondrer les deux? Tu les entends beugler, oui. Toi, non, moi tu m'entends même plus, tu entends juste un pouf. Oui, ben, j'entends quand même, je m'en vais. Du coup, je me retourne vers les deux et
Est-ce que j'ai suffisamment de force pour pouvoir porter les deux? Porter les deux, tu peux éventuellement essayer, tu tireras pas très très loin, mais... Avant de tomber dans les pommes, je dis hurle spirit, hurle, c'est le moment ou jamais. Attention, t'es vraiment courageux comme type toi, c'est... Allez, les pickles. C'est le moment ou jamais spirit, c'est le moment. Ouais bon bah voilà, je le fais, allez. C'est critique, mais c'est un très 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 beau cri. Ton père serait fier de toi. Enfin, ton père c'était un bourgeois, donc ton grand-père. C'est ça. Très bien, donc tu entends tes amis qui s'effondrent un après l'autre, et donc tu pousses un violent hurlement de rage, un hurlement de loup terrible. Qu'on peut traduire par plein de t'enfoirés. Oui. Et donc voilà, tu cries de toutes tes forces. Et l'air vibre, tu sens devant toi le mur qui commence à plier, les morts vivants dont la lueur qui éclaire leurs yeux retombe légèrement, et donc brusquement, hop, vous sentez tous, Okino, c'est ce que tu sens également juste avant de tomber dans l'inconscience. Le mur de magie, la magie environnante qui commence à se comporter bizarrement, à s'exciter et puis à exploser dans tous les sens. Le sortilège du mur se rompt, vous êtes balayé par une vague d'énergie, les morts vivants s'effondrent tout autour de vous et frappez, vous tombez tous dans l'inconscience. Ouais, trop génial. Tout ce qu'il faut pas faire chez pour rendre visite aux amis de Walker. Trois, deux, un. Et salut à tous, c'est Mister Fanax pour un nouvel épisode de Dragonia 5985, le jeu de rôle dans la brume avec un bug de Skype. Allô. Ah, allô. Je ne vous entends plus. C'est débile. Voilà, vous voyez chers amis, nous sommes en plein épisode et Skype vient de bugger, on relance la con.